Encore une fois, bonsoir tout le monde. La rubrique, la segment Elections 2020, Meet our Candidate. Nous avons reçu aujourd'hui là, Dr. Patrick Jabouin, qui est qui position que la cour boule, c'est City of Sunrise Commissioner, groupe D. Nous avons dit bonsoir, Dr. Jabouin, comment nous sommes? Très bien, merci et bonsoir. Et je salue l'auditoire alentour et merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que nous l'avons acheté. Alors, Dr. Jabouin, nous connaissons que vous travaillez pour Broward Sheriff Office, BSO, et à partir de l'expérience que vous avez, comment vous êtes capable de contribuer à la réforme de la police que tout le monde attend, que nous espérons qu'elle vienne très bientôt? Vous avez dit, vous avez été avec Broward Sheriff Office comme un civilien employé, vous avez travaillé comme un civilien. Basically, c'est pas dans law enforcement, malgré que c'était en liaison, comme des community outreach liaison. Okay. Et donc, m'a regardé dans ça qui a passé actuellement, on connaît que il y a une discussion sur affaire, et c'est une affaire que nous travaillons sur, c'est des community policing. Community policing, là, c'est une façon pour dire pour faire travail communautaire, travailler avec communauté, servir comme un pont entre communauté avec agencies. C'est so, définitivement que moi crois dans réforme qui nécessaire dans situation avec plusieurs police départements son façon pour retirer démilitariser yo que retirer en pile dans fond que gain yo pour pour divertir fond ça remettre dans l'autre côté pour aider avec social service. Nous avons un gros problème avec les problèmes mentaux avec police département que ça a eu besoin pour adresser ça sur mental illness les sont pas qui réel qui a plein monde qui a un problème mental que ça c'est comme ça pour ta retirer dans fond police pour ta mettre dans social service pour aider monde dans différents départements comme ça pour aider les conseils de situation le police confronté police n'a pas gain toute réponse là le policier entre là car monde les observer comme counselor, les pensent que c'est, you know, les psychologues, les pas gagner tout degré ça, les pas gagner tout skill set ça, les pas obligé gagner. Social worker, tout ça, juste parce que ça me demande tout. Oui, parce que bien des fois, yo compte sur police là, parce que yo n'a pas que yo apprendre un pile policier, devenir académie, dans n'importe situation, yo obligé essayer prendre contrôle situation. Faire une autorité situation. So, malgré que y ait d'arriver, y a pas gain assez connaissance dans situation. Y a toujours appris ces web y a qui est contrôlé pour y ait autorité sur ça. Et okay. C'est là qui vient créer plus de problèmes parce que normalement que si c'est pas domaine nous, rester dans domaine dans law enforcement tout vous arrêtez. Mais c'est pas faute policière lui-même que doit le confronter aussi de bail. On croit que c'est une position que vous mettez. Mais définitivement réforme la nécessaire et que comme nous on a regardé pendant la pandémie ça connait là que après la mort de George Floyd et plusieurs noirs qui mouri dans mes policiers dans abus police et que c'est pas nous gain des années que communauté noire a brûlé a dit que souffrance nous mais personne va attendre il y a toujours pas belle parole pas rien en fait. Et je souhaite, pour ça, c'est tout bon vrai, que le conseil de réforme qui est nécessaire pour la police département. Parce que l'on regarde des milliers de policiers un peu partout dans les États-Unis. Si nous avons la Floride là seulement, que l'on passe dans différentes villes de la Floride, par exemple, nous avons dans BSO, qui est Broward Sheriff's Office. Broward Sheriff's Office, c'est dans Broward County que l'on est. Mais dans Broward County, ce n'est pas toute ville que l'on est découvert. Il y a une autre ville qui a un policier, police département par yo. So ça, oui, oui. Et consacré en pile dans la police, malgré que bon central, bon façon que travaille ensemble, que capable de qui façon pour yo connecter dans SWAT team, dans tout le monde. Mais il y a un moment où yo vin gen l'organe dans l'immunité, ou dans la qualité. Qualitative immunity, que yon immunité que policiers yon conseil de privilèges que policiers te connaissent,
que yo pas ka asien yo, yo gen union yo très fort avec nous même. Son gon paquet de bonnes raisons qui fait que qui nécessaire pour faire réforme dans système là. Définitivement police réforme là, li important. Mais aussi nous j'en saute mentionner là, gen pile programme que ou pensez qui t'a important pour aider police là parce que vraiment il pas fait pour faire. Il n'est pas fait pour prendre toutes les responsabilités, ça, des responsabilités sociales, et de deal avec le monde qui a des problèmes mentaux, etc. Donc, c'est là que nous venons parler de ça, où est l'idée de défendre la police, là, que nous avons profondé. Il y a des gens qui pensaient que c'est coupé ou le coupé, et l'agent budget, l'agent policier pour un moins scope. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, on souhaite mentionner ça là, c'est justement des projets, tant qu'aider les gens, et des projets communautaires, qu'on pensait comme ça, c'est là qu'on va l'investir, et on a une expérience dans ça. Oui, il y en a pas qui est important, je me bien content de dire ça, parce que il y a un peu de défendre la police. Je pense que c'est une question de pour abolir la police force. Ce n'est pas ça du tout. Okay? Il n'y a pas les réformer pour réformer. Et demande qui fait, c'est défendre là, c'est une façon, j'en veux dire, pour ta divertir, pour ta retirer fonds que bah, parce que chaque année, dans le budget, plusieurs villes et policiers ont toujours joué. Par exemple, l'école dans l'éducation, ce n'est pas le même fonds, ils ont toujours abouti comme dans le budget pour l'école, pour l'éducation, et puis il y a augmenté le budget de la police. Ouais. Au lieu de que il y a un petit monde qui a été criminalisé depuis la junior high school, soit l'elementary school, n'importe quelle bataille qui fait l'école, il y aurait la police. Surtout si c'est dans le quartier noir, qu'il y a sorti avec Timon dans le menot. Et c'est un bail qui est supposé, c'est l'école pour ta contrôler ça. Il y a plusieurs autres programmes, Civil Citation, que l'État de Floride a gagné. Mais il y a un peu de police département qui n'a pas travaillé pour Timon Bay, Timon, une deuxième chance pour Timon Bay. Et il y a un peu de temps, on a dit que Timon a grandi, comme on connaît. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas nécessaire. Que c'est bon, cas criminel que lié. Il va obliger de nous retirer pour le retirer. Et puis, là, ça a que, à un âge jeune, que vous êtes en un record criminel. Oui, mais ça. Vous avez un livre sur lui pour Resville et qui doit changer, vie de mon tout. Parce que les gars, chez lui, on sait, en pile jeune, qui ne doit pas annoncer de. Ou t'as dit dans l'université, ou bien après une série de bagages que j'ai appris à cause d'un cas criminel qui était attaché sur eux depuis que jeune, depuis que tu étais jeune. Oui, donc nous connaissons que position qu'on a couru pour lui comme commissioner à la City of Sunrise. Donc, on a parlé de budget pour l'argent que pour allouer à la police, à l'école, à tout bagage. Donc, pratiquement, même quand nous connaissons que c'est City Management là, si le manager avec staff qui vote, qui écrit le budget, qui prépare lui, mais quand même, c'est nous-mêmes qui dernier mois, nous pouvons voter sur lui, pour approuver. Oui, bien sûr. Oui, bien dit. Que c'est aussi le management office, c'est bon, strong mayor que lui. C'est aussi le manager run pour City en que lui. Il y a 5 commissionnaires. So, définitivement, l'homme vient élu comme commissionnaire, c'est censé, ma bonne seule voix, son voix, son seul vote, parmi les 5. So, définitivement, pour fond bas passé, pour t'initier n'importe changement qui vous fait dans la loi, dans la policy, c'est pour t'aguer 3 votes, pour t'aguer majorité, minimum 3 votes sur 5 votes. D'accord. So, définitivement, que si gain et le ça pourrait, que pour notre discussion, pour t'essayer de supplier, pour t'essayer de travailler, pour faire compromis, avec l'autre commissionnaire, en façon pour eux-mêmes, pour être à voter avec ça qu'on a posé, dans ce qu'on a suggéré pour faire, pour nous dire, parce que étant un business, un homme d'affaires, que moi, c'est d'aimer, que comme mettez pour éduquer le monde dans la communauté à small businesses, que nous devons mettre, ils sont arrivés en business incubator pour aider. Et entrepreneurship pour aider mon vie entrepreneur et même j'ai tout que étant real estate broker que gain soldat les boutiques pour first time home buyer programme il y a des jeunes il y a l'autre qui pas pour gain caille pour ta posséder caille sur tout programme ça il
gen doa sorti, menm sou kòk ki sorti nan budget polis lan, ke l gen doa mete yon fason pou bay. Mwen gen yon nan program ki mdare men inisye nan siti an, ke se sa mdare le plus yon Bill of Rights pou home ownership avèk rezidant vil lan. Se pou fè moun yo komprenn ke kon relasyon, pafwa gen anpil moun ki pa konprann relasyon code enforcement. Code enforcement lan, se enforce yon force yon seri de dati ordinans nan vil lan. Oui, loi et régulation. Oui, mais parfois, il y a des gens qui ont droit à une citation, comme on a dit, ils ont une pénalité pour les gens qui ont droit à qui sait, ils n'ont pas de bon permis pour travailler que tu as fait dans ta vie. Ou bien, ils ont un summons pour dire que Zeb n'ont pas coupé, ils ont quelconque pour dire qu'ils ont négligé. Leur, c'est leur monde qui vient à prendre une transaction sur ta vie, soit là, fait. Yon refinance ou bien se vwenn la pantan ke li vin konnen ke conseiller de dépense ki fèt. Mwen a di ke li gen yon ligne sou talan, lè sa gen ankonbran sou talan, se lè sa ke le konnen. Surtout sa, se eduke pou eduke kominote a, se ba pou di m ap pale pou kominote a isen nasyonman, bot pou rezidan yo, pwase anpil moun plen, se lè ke ap vwenn talan e pi yon vin konnen de conseiller de frè ki de sou yon sou sa, se code enforcement. Mais définitivement, il y a plusieurs bains dans la ville. À part de ça, je ne parle pas pour aider les résidents. Mais actuellement, dans la ville Sunrise, il y a un peu de programme pour les gens, pour les vieillards que nous avons. Mais dans le programme, ce n'est pas tout le monde qui est au courant du programme. Donc, dans les assisted living facilities ou bien dans les retirement homes, Sogon sa pou nou mette program sa yo pou nou au courant pou tout communauté a konnen. Parce que démographique l'a changé, le sa yo que nous ta remè que program sa yo tout, que li fè face avec moun ki nan vili yo pou di pou conseiller de bay pou pran en considération de culture nou, surtout pou haïtien, l'autre caribéen, l'autre noir ki nan vili lan, pou yo même pou grand moun yo que yo ka participer nan program sa yo. Go ahead. L'organe pour éducation actuellement dans l'école yo ou bien l'école plusieurs écoles dans chaque city ou toujours conseil de l'école dans school board là, malgré que c'est school board là qui qui a autorité sur l'école yo mon gars là travaille de près avec school board member ça pour dire pour nous améliorer éducation timoun yo. Et dans la façon que je parle, nous voyons pendant la COVID-19, pendant la pandémie, pendant la pandémie, nous avons un pile de parents qui étaient confrontés pour être obligés d'aider les gens à l'école. Nous avons des parents qui peut-être pas de computer, qui gens pour travailler avec ordinateur, il n'y a pas comme ça qui pour être silent. Conseil de bail que nous avons été overnight. Que tu es obligé à passer ouais qui façon que tu aider ti moun yo l'école. Nous gen en pile nan moun nan communauté noire, qui en pile ti moun yo qui souffrit de ça. So même ça tout vraiment que pour aider ti moun yo nan année scolaire que ça c'est perdu des mois là. On l'a regardé 2020 que gen en pile ti moun yo qui gen da faire, qui gen da retraité, qui gen da retardé sous date année scolaire yo. So pour nous qui façon pour nous da rattraper ça pour yo pour nous aider. Okay. Si gen program ki pou di pou baye sou baye, men nou bezwen program pou nou mette tout pou ede nda di adulte yo tout pou edukasyon yo, kon sa plou devan ke yo kapab ede ti moun yon nan fè kompyuter. Ouè, so se sa kou apre nan. Donc, I'm sorry, definitivement kampany wan li baze sou anpil program komunotèr avec de par expérience comme liaison outreach liaison communautaire avec la Bolista donc ou gain ou très fort sur tout mouvement ça tout programme communautaire ça pour développement avec pour aider communauté côté pour candidat. Oui, pour bien dire que programme ça fait que m'a parlé de pas simplement programme social service ou bien communautaire c'est que moi j'ai 29 ans habité dans ville ça dans ville Sunrise là et j'ai plus de 40 ans d'expérience. Ni dans la section privée, ni avec le gouvernement, travailler avec le gouvernement. Avant que je travaille pour Broward Sheriff's Office, je fais des années avec Broward County, commissioners que je travaille pour me faire real estate avec eux.
Ouais, comme des, c'est real estate comme des qu'on a acheté propriété pour county. Hein. Ok, vous me déconnez dans point ça. So, comme ça, moi, et je comprends le système là, je comprends ce qui est nécessaire dans la ville là. Et c'est une façon que je regarde pour mettre et je me dis rassembler toute expérience, mais 40 ans, plus de 40 ans d'expérience là, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur gouvernemental, et puis comme entrepreneur tout, pour nous qui façon que nous pas aider. Parce que normalement, je m'habitue dans la culture haïtienne là, et je m'habitue avec la culture, et je suis très fier. Et puis pour nous qui façon que nous aider la communauté à, pour nous aider l'autre aider tête. Dernière question que je pose, comme malheureusement que nous n'avons pas plus de temps, mais je vais tout profiter tout et faire invitation officielle là que l'on l'autre show pour venir pour parler avec nous encore avant l'élection pour nous prendre plus de détails sur l'activité ou avec intention et comme candidat pour City of Sunrise, commissionnaire groupe D. Alors, question que je vais poser là, non seulement de par expérience ou en tant que real estate broker, est-ce qu'on pensait que qu'on nécessité pour faire créer beaucoup plus de affordable housing dans South Florida et plus particulièrement la City Flow et Sunrise? Oui, mais n'est pas simplement affordable housing. On a d'ailleurs les workforce parce que comme first time home buyer programme, on a installé les CRA, Community Redevelopment Act, qui a plusieurs bails. On fait un travail avec une série de programmes qui déjà existaient, ni dans l'État, ni dans la ville. Pour nous, qui j'en peux nous dire augmenter. Parce que après la pandémie, ça, il y a un monde qui va le subir de foreclosure, conseil de l'autre part. Mais c'est même gens tout, malgré que le conseil de monde qui vient de souffrir, mais il y a une opportunité tout, parce que l'économie a commencé à changer, que nous avons continué de travailler. Nous avons souhaité vers l'autre année que il y a un peu de bail qui vient de changer, dans la façon de l'économie, c'est dans le point ça pour nous. Oui, pour nous, qui façon que nous avons travaillé, pas simplement pour affordable housing, parce que y a un problème qui vient parfois, le regard est juste simplement affordable housing. Non. Seulement, il y a des gens qui pensent que c'est pour les gens qui parlent comme seulement, ou bien c'est pour les gens pauvres que affordable housing, c'est pas ça que lié. Il y a une façon pour travailler, pour qui façon, parce que y a un builder, ou bien on sait de communautés déjà dans la ville de Sunrise. Non. Que le prix est très élevé. Cependant, so, que le conseil de prix élevé, quand on dit 300 000, 400 000 dollars pour un appartement pour un condo ou bien 500 000 dollars, que oh, ça, ce n'est pas vous dire qu'on peut aller pour affordable. Définitivement, il y a l'autre bar qui doit vous dire qu'il faut faire son programme de travail ensemble avec ce manque pour le développement, yo, pour le service, ça, pour la position pour les jeunes. Ou bien pour l'autre monde qui n'a pas bien salé, qui est dans mieux. Mais de façon, ça, c'est more or less a workforce. On s'en compromis entre affordable et puis pour qu'il fasse un gros travail, low and moderate income pour aider le monde dans le point ça, avec moderate income properties. Ok. Bon, donc, moi, je me disais une question, mais ça, je ne peux pas empêcher de me demander. Nous connaissons ces musiciens, yé. Sport avec musique, toujours mettre le monde ensemble. Surtout, époque, ça, que nous vivons avec toutes différence ça qui gagne entre monde et dans vie nous là que n'a vive là ces derniers temps, est-ce que au même temps que musicien et aussi nous connaît que tu connais créer festival ou faire promotion de festival de comme ça, est-ce qu'on pensait utiliser musique là comme une plateforme de réunion pour rassembler monde? Oui, définitivement musique là fait partie de vie depuis petit monde que dans musique me lever la donne parce que c'est papa c'est musicien que moi fait. Moi, je joue saxophone depuis petit monde, mais dans Ville Sunrise, 6 ans de ça, moi, j'ai été établi première fois que moi, fait un concert pour nous commémorer Martin Luther King, célébration Martin Luther King. So, actuellement, nous avons 6 ans que Ville Lagunia a un programme que chaque week-end en janvier pour Martin Luther King célébration que Ville Lagunia fait à cause de ça que nous avons commencé. Moi, c'est président Caribbean Cultural Coalition, c'est avec ça que nous devons aller. Et puis l'autre festival, c'est en bas bannière, ça a tout que nous devons faire en ville festivité pour culturel. Définitivement, moi, j'ai l'intention pour continuer sous même nous, ça et tout, pour mettre mon ensemble et puis pour nous établir, pour nous display, d'une façon, pour nous exposer culture, non? Pas simplement culture haïtienne, non, votre culture
africain, une culture noire, que nous voulons mettre dehors pour nous bah, aller définitivement sport avec musique. Son bah, comme ça, pour nous établir, pour nous unir. Et surtout, c'est juste dans la situation raciste que nous avons vu qu'on y a là, que ouais, que l'Empire loi a commencé à exposer. C'est le ça qu'on y a pour nous essayer de travailler avec tout l'autre monde pour nous mettre l'amour dans le cœur, nous mettre l'amour avec l'autre monde pour nous faire comprendre que tout noir, que nous existons. Jean que moi a dit Black Lives Matter, yes, li, nous obligés là, nous obligés à exister et obligés à respecter nous. Docteur Jaboin, Mabdou, merci beaucoup. Ce n'est que partie remise. Nous avons bien voulu rencontrer encore. Et DJ Max and Friends, et Black and White, Black on White, Uncensored. Abdou, merci pour la collaboration aujourd'hui à la, pour l'intervention et bonne chasse. Mon frère, merci encore pour l'invitation. Et je vous souhaite que nous parlions encore parce que je m'apprécie. Je vais commencer à habituer à voir la première parce que je suis à l'aise dans la petite conversation que nous avons fait. Et encore, je vous remercie et je vous fais tout le monde connaît, vous avez checké. Et lecpatrickjaboin.com, c'est lecpatrickjaboin.com pour website. Et vous avez la contacté directement tout dans 954-254-3749. DJ Max and Friends, nous remercions mon frère et que mon Dieu bénisse nous. Merci à vous, Dr. Jaboin. Bonne chance. À bientôt. Bonne chance. Merci encore.